la recherche et la culture. C'est parce que je veux que les Françaises et que les Français, et que particulièrement les jeunes filles et les jeunes hommes, sachent que le champ s'ouvre pour leur imagination, leur capacité d'énergie, leur maîtrise du monde, leur goût de vivre, leur enchantement. François Mitterrand, c'est le plus long mandat de la Ve République, avec deux septennats au compteur, le premier président socialiste de la Ve République, des réformes historiques comme l'abolition de la peine de mort, mais c'est aussi et surtout le président de la culture. François Mitterrand est passionné par la culture et s'associe à un homme qui en est tout autant féru, Jack Lang, qui après avoir été délégué à la culture pendant la campagne électorale, sera son ministre de la culture pendant 12 ans. Ensemble, ils font de la culture un sujet prioritaire, et cela passe notamment par une revalorisation de tous les arts, même de ceux considérés jusqu'ici comme mineurs, comme le jazz, la mode, la variété, l'architecture ou les arts de rue. Le duo fait aussi la part belle aux créateurs, aux artistes et aux intellectuels, en les consultant régulièrement et en les recevant notamment à l'Élysée. Le président vous a paru très attentif ? Extrêmement, oui. On a parlé de l'opéra aussi. On a dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le nombre de spectateurs de plus en plus grandissant de l'opéra ait des places ? Il a répondu, il faudrait créer un lieu. François Mitterrand met en place une véritable politique culturelle, en commençant par doubler, dès 1981, le budget du ministère de la Culture. Lorsque nous nous sommes trouvés, il y a quelques mois, devant la responsabilité du pouvoir, tout de suite, nous avons été sollicités par les problèmes budgétaires et nous nous sommes immédiatement entendus sur le fait que, quelles que soient les difficultés du moment, il convenait d'accroître un certain nombre de crédits pour permettre à la France de défendre l'œuvre accomplie et de la mener plus loin, les crédits de la recherche et les crédits de la culture. Avec Jack Lang, ils mettent en place de nombreuses réformes, comme le prix du livre unique, qui a pour but de lutter contre la monopolisation du marché du livre par les magasins de grande distribution, mais aussi le développement de l'audiovisuel et des radios libres, ou encore la loi relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes. Enfin, le duo Mitterrand-Lang met en place des manifestations culturelles récurrentes, comme la Fête de la musique, créée en 1982 et célébrée aujourd'hui dans le monde entier, et les Journées du patrimoine, créées en 1984 et devenues, depuis, Journée européenne du patrimoine. Pour finir, les deux septennats de Mitterrand ont aussi été marqués par les grands chantiers de création ou de réhabilitation de lieux culturels. C'est joli de l'extérieur, c'est joli de l'intérieur, enfin, c'est super, quoi. Et ça va te donner envie de venir au Louvre ? Énormément. La rénovation du Louvre, la création de l'Opéra Bastille, du Zénith à la Villette, l'inauguration du musée d'Orsay et de l'Institut du monde arabe, du musée des arts de la mode, du conservatoire de la musique et de la danse, et pour finir, la création de la Bibliothèque nationale de France, le dernier grand chantier de François Mitterrand. Quai de Tolbiac, impossible de la manquer. La Bibliothèque nationale de France élève ses quatre tours de verre à nel, encadrant un espace vide évoquant un livre à demi ouvert. Voilà pour le symbole. La TGB, très grande bibliothèque, ainsi surnommée, a été construite au rythme TGV pour permettre au président de l'inaugurer à quelques semaines de la fin de son mandat. Construit en moins de 10 ans, c'est le plus monumental et le plus cher des grands travaux présidentiels, mais le public devra attendre le printemps 97 pour rentrer à son tour dans le sanctuaire. Cette politique des grands travaux, évidemment très coûteuse, a souvent été décriée. De plus, les choix architecturaux, notamment de la BNF, mais aussi dans un autre domaine de Bercy et de la Grande Arche de la Défense, deux autres créations réalisées sous François Mitterrand, n'ont pas plu à tout le monde. Avec toutes ces réformes et ces constructions, François Mitterrand a indéniablement voulu laisser une trace sur un sujet qui lui tenait sincèrement à cœur. Et quand Jack Lang déclarait « culture et économie, même combat », François Mitterrand n'hésitait pas à l'affirmer. Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.